Bébé. Oh, ma chérie. Bébé. Bébé, écoute ce que je vais te dire. Tu es trop belle. Bébé. Bébé, je te le jure, pour de vrai, si quelqu'un tente de t'approcher, que le tonnerre frappe cette personne. Tu es tellement belle. Oh, merci. Mon bébé en or, tu es mon investissement. Merci. La plus belle femme du monde. Mon bébé en or, c'est toi. Écoute, si dépenser mon argent sur toi est un péché, je suis prêt à partir en enfer. Non, 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 bébé. Non, 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 tu n'iras pas en enfer. Tu vas dépenser de l'argent sur moi et nous irons au ciel ensemble. Non, mais tout le monde ne veut pas aller au ciel. Même si c'est en enfer, notre amour brûlera. Oui, hein? J'ai confiance en toi, hein? Mon bébé. Bébé. Mmh. Mon petit bébé. Bébé. Hein? Mmh. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour changer ma garde-robe. Maman, mm-hmm. L'argent ce n'est rien. L'argent ce n'est pas un problème. Tu es mon bébé en or. De combien tu en as besoin? Bébé, tu me connais, non? J'aime l'argent, passionnément. Donne-moi seulement de l'argent, beaucoup d'argent comme ça. Donne-moi, tu sais, bébé. Pour ça, laisse-moi te dire que je vais te gâter avec l'argent. Hé, bébé! Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Ton corps et ton derrière pour moi seul. Mon derrière, mon corps, tant pour toi, pour toujours. Ouais, je n'ai pas envie de voir tous ces petits garçons derrière toi. Personne. Je ne veux pas. Personne. Je vais te gâter. Je vais, hein? Je vais te gâter, tu vas marcher sur l'argent. Oh, bébé. Hey, oh, mes hommes de main, bougez à moi. On doit salir le sol ici. Toi, un homme capable. Bébé. C'est pour toi. Oh, toi, toi, t'as prêt. Bébé. Toi. On va salir le sol tout à l'heure. Hé! La fête commence, les gars! Hé! Hey. Hé, hey, bébé! Hé! Hey. Toi! Oh, toi, t'as prêt, papa! Bim! La bonne qualité! Les choses de la boss. Terre! Ouais, la boss! Commence, les gars. Je connais les vraies choses! Bon. Hey, fire! Que la fête commence, les gars! Oh, Toto, t'as prêt! Que la fête commence! Boss! Les choses de la terre! Ouais, les dépense gars! Dépense l'argent! Jamais! Dépense tout sur moi! Jamais! Que la fête commence! Dépense tout sur moi, bébé! Ouais! Bébé! Prêt! Boum! Hey, regarde ça. Oh, Toto, tata, papa. Je veux Je suis en retard. Je suis en retard. Je dois partir maintenant. Hein? Oui. Ozoma. Comme j'ai dit là. Attends. Tu es en retard. Et tu es en train de me dire que tu ne vas pas prendre ton bain avant d'aller au non, marché? Non, je ne peux pas. Je le ferai quand je rentrerai. Tu veux que je paie avec les clients? Ozoma. Hein? Sais-tu que ça fait 3 jours que tu n'as pas pris ton bain? Tu n'as même pas brossé tes dents. Hein? Ozoma, regarde-moi. 1, 2, 3. Matin, midi, soir. Ça fait 3 jours, hein, que tu n'as pas permis à l'eau de toucher à ton corps.
Ozoma. Je sais. Hey. Maman, je sais. Mais si je pars me laver maintenant, hein? Toutes les autres vendeuses de nourriture vont voler mes clients au marché. Je ne veux pas perdre mes clients, hein? Je vais me laver au retour. Ouais. D'accord? Ne t'en fais pas. Ozoma, personne n'achète à manger chez une personne sale. Hey, tu coukéné? Hey, attends, je te sers avant de partir. C'est pour toi, la chaîne. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Tu vas acheter la nourriture, hein? Oui, oui. Hey. Je suis venu au courant. J'ai même oublié de porter mes habits. Parce que je ne voulais pas rater ta nourriture. Apporte la nourriture. Tu sais que tu es mon premier client. J'espère que tu vas m'apporter la chance. Hein? Tu n'as qu'à regarder mon visage. Je l'espère. Ozzy, donne-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Comme d'habitude. Hey. Mets les légumes, mets la viande et d'accord, le petit entrée. D'accord, comme d'habitude. Ce que tu as là-bas, tu peux mettre. Gongo na ungongo. Hey. Gongo na ungongo. Ozzy, la femme du restaurant international. C'est bien ça, mon nom. Mets le pistache, mets la viande, tu peux tout mettre. Hey, hey, qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux tout mettre. Tout ce que tu as, tu peux mettre. Hey. Balance. Hey. Ozzy. Hi. Donc, j'allais arriver et trouver qu'elle est déjà partie au marché. Hi. Je te dis que sa nourriture, non? Aïe! Je ne peux pas dormir sans sa nourriture. Mouin. Aïe! Au bois. La nourriture que je vais manger va tomber directement dans mon ventre. Ozzy, bébé! Eh ouais. Aïe! Nourriture internationale, c'est Ozzy. C'est bon. Eh bébé! Aïe! Voilà exactement la raison pour laquelle je mange ici. Moi, je mange ici. Ozzy, bébé! Eh, hey, maman, je dois partir maintenant. Tu peux tout mettre. Je suis déjà très en retard. Tu coucounais? Hein? J'espère que tu m'as porté la chance. Hein? Je suis un porteur de chance. Va et vends tout. Hey. Vends tout et ramène plein d'argent. Je vais partir. Je dois encore payer le ticket au marché. Hé, hey, toi. Oh, tu me cherches déjà. Sans problème. Oh, toto. Je ne vous ai pas dit que vous ne devez plus garder vos saletés. Vous n'écoutez pas quand je parle. C'est quel genre de mal sans ça, hein? Calme-toi. Pauvre de moi. J'essaie juste de gérer ma vie. Regarde-moi, non, Amaka. Ça va aller. Regarde-moi. Désolée. Qu'est-ce que j'ai fait à Obidigbo et sa bande? Pourquoi moi, hein? Calme-toi. J'ai dépensé de l'argent pour ses oies. Désolée. Hein? Mais attends un peu. Toi-même, tu sais que Obidigbo et ses amis sont méchants. Pourquoi tu allais laisser ta marchandise en route, sachant très bien qu'ils sont dans les parages? Hey, petite rectification. Je n'ai pas placé mes choses en route. C'est ma sœur qui l'a fait, pas moi. C'est ma sœur. Vous voulez que je la tue? C'est ma sœur. Maintenant, regarde. Il sait combien j'ai dépensé pour payer ses oies. Il sait combien. Ça va. Ok. Dis-moi, c'est juste pour le ticket du marché ou alors tu as barré la route avec tes oies? De quel ticket tu parles? Je te dis que c'est ma sœur qui a barré la route, pas moi. Tu es là, tu me fais seulement bavarder. Laisse-moi tranquille. Ça va. Calme-toi. Hey, Tinello, ça va aller. J'ai suivi ce qui s'est passé. Hein? Je dis, pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Arrête de pleurer. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais qu'Obidigbo et ses amis sont très méchants. Moi-même, j'ai déjà subi. Hey! Hey! C'est ça. Hey, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Oh, Kennedy! Est-ce que tu as faim? Non. J'ai de la bonne nourriture. Je n'ai pas faim, je vais bien. Ma sœur, je ne te demande pas de payer. Oh. C'est juste pour calmer. Non, merci. Merci. Ne pleure plus. Qu'est-ce t'inquiète que pas. Hey! Oh! Bye. Hey! Mais je ne comprends pas, oh, Amaka. Pourquoi les gens achètent toujours la nourriture chez elle? Ils ne perçoivent pas l'odeur de son corps? Son odeur? Regarde ses aisselles, c'est la forêt. Je ne vais jamais manger sa nourriture, même si je dois mourir et qu'elle est gratuite. C'est pareil pour moi, oh. La fille, là, même si je veux déjà mourir, je ne vais jamais manger son repas. Partout, la forêt. Ça va, il faut laisser. Hey, mon Dieu! Hein? Mes deux bassines d'ignam, mes oies! Calme-toi! Hein? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça! Je sais, ça va aller. Hey! Ça va! Je suis venu prendre l'argent du ticket. C'est quoi ton problème? Donne-moi l'argent!
Je n'ai encore rien vendu. Hein. Ça, c'est quoi ton problème? Donne-moi mon argent ici et fais vite. Mon frère, ça ne me regarde pas. Ça, ce n'est pas l'argent que les autres ont donné ici. Je ne veux même pas entendre ça. Donne-moi mon argent et je continue ma route. Pars et tu reviens. Je ne veux rien entendre et je vais bientôt changer avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu vas changer avec moi? Tu n'as pas besoin de changer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais changer avec toi. Je n'ai encore rien vendu. Tu n'as qu'à revenir plus tard. Attends, je vais te montrer. C'est quoi le problème là-bas? Oh, oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Rien du tout. Hein? Elle ne veut pas payer. Hein? Elle ne veut pas payer. Donc tu ne veux pas payer. Ok les mecs, venez. Tu ne veux pas payer. Je n'ai pas refusé de payer. J'ai dit que je payerai plus tard. Qu'ils reviennent plus tard. Madame, payez maintenant. Bon, je n'ai pas d'argent. Payez ce que vous devez maintenant. Reculez. Je vous ai dit que je payerai plus tard. Oh. Il le mérite. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Toi? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Vous êtes moi? Vous avez vu ce qui s'est passé? Hein? Hein? Tinello? Hein? Tinello? J'ai vu. Tu as vu comment ils m'ont attaqué? Tu as vu? Est-ce que tu as vu ça? J'ai vu. Reste là-bas. J'ai vu. Hein? Reste vous là-bas. Avez vu? Vous êtes mes témoins. Ne t'approche plus. Reste là-bas. Vous êtes tous de moi, n'est-ce pas? Oui, je peux t'écouter, toi ici. Reste là-bas. Je peux t'écouter. Tu n'importe quoi. C'était grave. Hey! Bro. Mon bro, j'ai failli mourir. Hein? Le titre de ce film serait ODR++. C'est un mensonge. Je vous dis, j'ai failli mourir. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas que les gens continuent d'acheter la nourriture chez cette sale chose. C'est carrément incroyable. On peut faire comme ça que la fille-là a le remède. Ça, c'est sûr. Cette fille a le remède. Vérité! Je te dis, comment les gens continuent à acheter de la nourriture chez elle? Aie pitié de moi, boss. Ouais. Boss, aie pitié de moi. J'ai failli mourir. J'ai failli suffoquer. Cette fille m'a carrément mis sous ses aisselles. Boss, aie pitié de moi. L'odeur de cette fille peut tuer quelqu'un. Je n'irai plus à côté d'elle. Que j'aie pitié de toi? Tu ne sais pas que si tu mourais sous les selles de cette salope, ça allait m'arranger? Merci! Oui, ça allait nous faire du bien. On allait rester trois à gérer ce business. Pourquoi, boss? Hein? Parce que pourquoi? Tu n'es pas utile du tout. Tu ne sers à rien. Boss, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme ça? Hein? Pourquoi tu dis ça, boss? Pourquoi tu me dis ça? Les gens comme moi meurent dans les crashs d'avion. C'est dans les essais d'une femme que moi je veux aller mourir. Tu n'as pas d'argent, boss, pour voyager en avion. Comme ça, parce que tout le monde est important. Mais tu n'es pas important. Boss, je suis important, boss. Ce n'est pas une petite affaire, les mecs. Je vous le dis. Cessez de prendre l'argent chez cette fille. La façon dont je vois les choses, même son argent a une mauvaise odeur. Je te dis, c'est la vérité, je te dis. Ça doit sentir mauvais. Hey! J'ai vraiment failli mourir aujourd'hui. Hey! Tout ça pour de l'argent. Envoie-moi un peu de la fumée sur le visage. Tu es un homme fort! Bim! C'est bon comme ça? Ouais, tu t'es battu. Faut pas qu'on reste là et qu'on oublie ce qu'on est venu faire. Allez, 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 sors le paquet. Oya. J'ai déjà calculé. C'est bon comme ça. J'ai calculé. Eh bébé, Ify Becker, t'es une bombe. Oh mon Dieu, la vue de derrière, t'es tellement belle. Ton derrière peut envoyer quelqu'un au coma d'un coup, pouf. Bam. Hey! Hey! Seigneur! T'es malade? Seigneur! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Elle est ta femme? T'es le seul homme qui peut avoir des belles femmes? Allez, c'est bon, écoute, dégage de...
Obi, touche à ma femme et continue de parler. Je vais t'éduquer. Obi, arrête. Allez, frappez-le. Oh, c'est moi le malin, hein. Obi, Obi, arrête. Oh, toto, ta prata, ta prata. Oh, toto, ta prata. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Manton. Manton. N'importe quoi. Manton. Hein? Tourne-toi, allez. T'as perdu la tête. Obi, je t'ai demandé d'arrêter. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Obi, tu continues. Maintenant, Gokasu, Dice. Lâche-moi. Open say no hot cake, yo, yo. She just the smell around. When she pass, people go shout, say, waiting the smell. Osama. She know they wash her panty. Osama. Osama. Comment s'est passé le marché aujourd'hui? Pas bien, maman. Pas bien. Mauvais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Les autres vendeuses du marché ont arraché tous mes clients. Je n'ai même pas vendu le planteur, même pas le haricot. Hein? Tu veux que je te dise quoi maintenant? Maman, toi-même, regarde. Regarde ma nourriture. Regarde, tout est encore plein, hein? Tout est encore comme je suis partie. Exactement comme je suis partie le matin. Hein? Je suis sûre qu'on a fait quelque chose. Et ils ont fait quelque chose sur mon comptoir. Maman, ça c'est la sorcellerie, oh? Osioma. C'est même encore quel genre de ma chance, que ça, je non? Passe mon temps à te dire. Hein? Tu ne te laves pas, tu ne te brosses pas les dents. En fait, tu ne prends même pas soin de ton corps. Osioma, tu sens mauvais. Hein? Pour dire vrai, tu ressembles à une folle. Comment peux-tu servir la nourriture et tu lèches la louche? Et tu veux que les clients restent? Entre-temps, regarde tes aisselles, regarde tes jambes. Est-ce que c'est de ma faute? En plus, je ne sens pas mauvais, oh? Je ne sens pas. Je ne sens aucune odeur sur mon corps. Et je me léchais ma louche pour montrer à mes clients que ma nourriture est très bonne. Aïe. Quand je regarde ma louche, je la lèche comme ça. Et ils vont voir que ma façon est vraiment différente et ils vont venir. C'est très dégoûtant, tu exagères. Regarde comment tu te grattes. Tu grattes ici, tu grattes là-bas, hein? C'est très dégoûtant. S'il te plaît, ma fille. S'il te plaît, va te laver. Achète une lame. Et rase-moi tout ça. Maman, tu aimes ça. Tu grattes ici en bas, c'est juste parce qu'il y a des poils partout. Maman, je n'aime pas me raser. Ça me chatouille beaucoup. Si je tente seulement de mettre le rasoir ou la lame, ça me chatouille. Achète la lame et rase-moi tout ça. Ok, tu sais que je n'aime pas me laver avec l'eau glacée. Je vais mettre ça au soleil. Quand ça va chauffer, je vais me laver bien. Pas de problème. Oh? Peu importe la manière, maman, fais juste l'effort de te laver. Pas. Hein? Ok, vas-y, je m'en vais garder mon pouce, puis j'irai me laver. D'accord, vas-y. Ne t'inquiète pas, maman. She know they wash her panty, eh? We are Osama. Osama, go and back. Osama. Osama, eh? Olesi kogiri, eh? We are Osama. Osama, they cook food, oh. Osama, they wash clothes, oh. She be wife for material, oh. But she know they grip her food. Ajin babu etoju. Ajin kan se toju kwa. Osama gwa popo no ya. Ose no ne me ya tini ni talanga. Osama no de ba. Osama yo. No kushke person be this yo. Osama. She no de green brush her teeth. Osama. But Osama go like to kiss yo. Osama yo. She goes scratches, scratches, scratches. Osama. But she no go greet you back. Osama. Will you? Osama go on back. Osama.
Ozioma, pourquoi ne peux-tu pas te laver de la même manière que tu laves cet thermos? Hein? Donc, cette eau est toujours au soleil? Mais maman, tu ne sais pas que l'eau froide fait couler le nez? Oui, j'ai mis cette eau au soleil pour qu'elle chauffe. Après, je vais aller me laver. Ozioma, pendant combien de temps? Ça fait déjà combien d'heures? Eh, maman, c'est parce qu'il n'y a pas le soleil. Eh, j'attends que le soleil sorte, comme ça l'eau va chauffer. Ne t'en fais pas, je vais me laver, ok? Sans problème. Fais-moi confiance. Montre-moi tes aisselles. Montre-moi tes aisselles. Hey! Ozioma! Oui, maman. Ozioma! Maman! Hey! Il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas te laver, hein? Tu peux te raser. Je vais te raser tout de suite. Je ne blague pas. Maman, maman, attends. Maman, qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire, non? Maman, attends. Ce truc chatouille trop. J'ai essayé de me raser 7 fois, mais je n'ai pas réussi. S'il te plaît, maman. Si ça te chatouille, je vais te soutenir. Maman, s'il te plaît, non? Soulève ta main. Alors, ok? Maman, attends. Soulève ta main. Attends, je prends un poster. Je prends un poster. Tu n'as pas besoin de poster. Soulève juste ta main pour moi. Ok, laisse-moi le faire. Attends, je soulève. On commence quel côté? Par ici. Celui-ci. Tu as dit quel côté? Maman, attends, attends. Ozioma, reviens ici. Reviens ici. Viens enlever cette brousse qu'il y a sous tes aisselles. Il n'y a pas de problème. Finis de courir, tu vas venir me retrouver ici. Cours comme tu veux, c'est sans problème. Je t'attends ici. Il n'y a pas de problème. En fait, je t'attends ici. Obi, pars de chez moi. Pars de chez moi tout de suite. Je n'ai même pas envie de te parler. Je n'ai pas envie de te parler maintenant. Va-t'en. Allez, mon bébé. Ne me touche pas. Ne me touche surtout pas. Bébé. Bébé. Bébé, pardonne-moi, hein? Pourquoi tu ne veux pas aussi me comprendre? Je l'ai fait par amour, hein? Tu l'as fait par quel amour? Quel amour insensé, je te le demande. Bébé. Comment peux-tu faire ce genre de choses? Comment peux-tu envoyer tes gars frapper un homme qui ne t'a absolument rien fait? Hein? Es-tu si cruel? Bébé, je suis désolé, hein? Écoute, c'est juste que je ne peux pas rester là et voir ces petits garçons toucher à mon investissement. Écoute, tu es mon investissement, tu sais. Il ne m'a pas touché. Et même s'il prévoyait me toucher, je n'étais pas au courant de ça. Donc, tu n'as pas le droit d'envoyer tes amis le bastonner, alors qu'il ne t'a absolument rien fait. Ce n'est pas juste. Écoute, Obi, tu n'es pas mon mari. Je ne t'appartiens pas. Pas du tout. Quoi? Oui. Naïfo Makaba Senao. C'est du pur mensonge. C'est juste parce que je me suis mise à genoux devant toi. Pourquoi? Hein? Pourquoi même? Ok. Comment je peux rester là et tu veux que je ferme ma bouche et regarder ces petits garçons immatures touchés à mon investissement après avoir dépensé de l'argent sur toi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quel investissement? Parce que tu racontes partout, blablabla. Quel investissement, je te le demande. Tu m'as donné ton argent toi-même. Je ne t'ai rien demandé. Donc n'aborde même pas ce sujet. Surtout pas. Que veux-tu me faire comprendre? Hein? Alors ça veut dire que je suis en train de perdre mon temps? Ça te regarde. Si tu m'aimes vraiment comme tu le cries, alors viens payer ma dot. Viens faire tes preuves et je saurai que tu es sérieux, que tu es un vrai homme et non en tapant tout le monde que tu vois autour de moi. Pourquoi? Allez, bébé. Laisse-moi. Bébé. Laisse-moi, oh. Bébé, tu es... Bébé, tu es sexy. Ouais, sexy. Écoute, chérie, laisse-moi te dire. Tu es mon bébé en or, je vais le faire. Ouais, ça, c'est un petit problème. Je vais venir et je vais tout régler. Hein? Mais maintenant, souris pour moi. Je ne le ferai pas. Tu ne veux pas je sourire. Je ne veux pas. Sourire pourquoi? Ouais, mon bébé. Toi, tu aimes toujours des petits problèmes. C'est bon, je vais te faire sourire. Hey, bébé. Mon bébé en or. Tu te sens mieux maintenant? Bébé, non. Ce n'est pas comme si j'ai des problèmes avec toi, oh. Alors, viens, bébé. Je n'ai pas de problème avec toi, oh. Moi, je t'aime.
Je t'aime beaucoup. C'est juste que parfois, il faut essayer d'être gentil. N'envoie plus tes amis bastonner les gens. Pour rien. Hein? Ces gens-là sont des connards. Tu sais que je t'aime. Hein? Mmh. Regarde vois, bébé, tout l'argent que toi. Tu m'as donné. Hein? Bébé. Bébé. Mmh. Bébé. Orena. Orena. Ha. Hi. Tu connais. Hi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Orena, pourquoi est-ce que tu chasses ma femme? C'est quoi ton problème? Je ne l'ai pas chassée, oh. Hi. Hein? Je ne l'ai pas chassée. Ozioma, ma fille, ne veut du tout pas céder elle-même. Hey. Je voulais juste raser ses aisselles et elle a fui. Est-ce que tu sais que ça fait 4 jours qu'Ozioma ne s'est pas lavé? Même pas brossé ses dents. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est bien? Orena, est-ce que ça te concerne? Hein? Est-ce que ça te concerne? Laisse Ozioma vivre un peu. Laisse ses poils sous ses aisselles en paix. Hein? Nous les gardons pour le moment. Ensuite, on va les couper pour les vendre. Les autres vendent les cheveux brésiliens, les cheveux éthiopiens. Nous allons aussi vendre ça comme les poils des aisselles de Ozioma. Hein? Et pour ce problème de se brosser les dents, ça te regarde en quoi? C'est ma femme! Hein? C'est ma femme! Concernant l'autre que tu appelles l'odeur, ce n'est pas l'odeur, c'est son parfum! Marc Ozioma, on a gonaiso! Ferme ta bouche! Ozioka! Tu viens me casser les oreilles ici! Qui a fait d'elle ta femme? Tu as déjà payé sa dot? Je te pose la question. Tu me demandes? Oui, à qui est-ce que tu as payé la dot d'Ozioma? Elle est ma femme! Que tu le veuilles ou non! Tu coquines! Je veux la voir revenir! Maintenant, je sais que tous les deux, vous êtes identiques. Hein? Il n'y a vraiment aucune exception entre vous. Bonnet blanc, blanc bonnet. Regarde-toi. Non, retire ton cerveau de tes narines et mange-le. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Pars de chez moi. Je vais partir. Prends soin de toi et donne de bons conseils à Ozioma. Je vais la conseiller de toujours garder ses aisselles. Comme ça. Poil à vendre, je te dis. Poil à vendre, je te dis. Et même si nous vendons ces poils, quel est ton problème? Hey, Seigneur, on dit vraiment que qui s'assemble se ressemble. Quels sont ces gens de personnes? Hey! Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et il ose même venir me le dire en face. Qu'est-ce qu'il me faut encore là? L'ail et les condiments. En dehors de ça, il faut... ok, le sel. Ozi. Ozi. Amaka et Tinello. Qu'est-ce que vous faites ici, les filles? Tu fais quoi là, 6 ans parlant toute seule? Nesser. Rien, oh. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes venus te voir, bien sûr. Nous ne sommes plus tes amis. C'est quoi votre question? Ce genre de visite, je connais. Hey, Amaka, hein? Nous sommes venus te remercier d'avoir chassé Obi et ses amis au marché aujourd'hui. Ce n'était pas intentionnel. En vérité, tu l'as fait. Bravo à toi. Bravo à toi. Ce n'était même pas intentionnel. Hein? Ce n'était même pas intentionnel, mes sœurs. Hey! Yukuto namba no yokola. Una la pataramu. Tu ne sais plus. Tu utilisais l'odeur de tes aisselles. Tu voulais repousser? Mais... Sérieusement? Tu es une femme. Tu devrais prendre soin de ton corps. Tu te négliges trop. Et nous sommes tes seuls vrais amis qui nous le diront. Oui, Ozi. Tu sens beaucoup. Ce n'est pas bien pour une vendeuse de nourriture comme toi. C'est vrai. Tu peux pas bien. Tout le monde l'a confirmé. S'il te plaît, lave-toi. Hein? Et aussi, les gens ne te parrainent pas parce que tu es sale. Voilà. Je disais, attendez. Amaka et Tinello. Donc, vous êtes en effet venus ici pour m'insulter? Non. Si je comprends bien, toutes les deux,
Vous êtes venu m'insulter? Non, ne le prends pas mal. Nous sommes ici pour te conseiller, pas pour t'insulter. Tu es notre ami, non? Vous êtes encore là? Ancienne! Okalachu, regarde-moi ça, stupide fille! Mais qu'est-ce qu'on fait? Stupide fille! Elle est malade! C'est le monde en l'envers? Hein? Les gens viennent jusqu'à chez moi comme ça, juste pour m'insulter! Oh, c'est quoi ça? Elles disent ce que je sens? Qui? Hey! Moi, je n'ai pas d'odeur corporelle. Aïe, je ne sens pas mauvais. Moi, je ne sens rien du tout. Comment elles peuvent dire que... Donc, elles sont expressément venues ici pour me provoquer. Rien d'autre. Oui, elles sont venues pour me provoquer. Mais il n'y a pas de problème. Ce qu'elles cherchent, elles vont le trouver. Tentez seulement de revenir ici, hein. Je vais vous démontrer que mon nom, c'est Osioma. Les hommes souffrent. Franchement, les hommes souffrent. Donc, sale comme elle est là, elle va aussi nourrir son petit ami. C'est pour toi que tu parles comme ça, oh. Les gens ne voient surtout pas ce que tu dis là, hein. Certains hommes ne voient pas ça. Aussi longtemps qu'elle est en trou, hein, et du liquide dedans, ils vont entrer. Premier round, deuxième round même. Comme nous sommes en train de parler comme ça, quelqu'un est sûrement en train de cogner ça bien bien. Non. Il n'y a donc qu'un aveugle qui pourrait faire ça. Les policiers ont un code qu'ils utilisent. Hein? On a fait le feu ici, boss. Ah, mes frères. Ah. Désolé, non, tu peux rester là. Recule un peu. Je vais t'approcher. Mets-toi là-bas, recule. Ne vous fâchez pas, les chefs du marché. Vous avez oublié de prendre l'argent du ticket du marché chez moi. Alors j'ai décidé de vous l'apporter ici. Non, mais... Reste quoi? Tu as dit que tu venais donner. Reste. Oh, c'est le bon. Ce n'est pas comme si nous avons oublié de prendre l'argent. Nous avons juste décidé de ne plus prendre l'argent chez toi. C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre jour. Et mes frères, pardonnez-moi, vous savez, ce n'était pas intentionnel. Vous êtes toujours fâchés? Hein? Je veux vraiment qu'on fasse la paix entre nous. Non. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas du tout à cause de ça. Ok. En fait, nous avons décidé de faire de toi la reine du marché. Comme ça, tu ne vas plus du tout payer de taxes. Recule là-bas. Donc ça veut dire que tu n'as plus payé les tickets de marché. En fait, vante-toi. Fais du bruit. Laisse que les gens sachent que j'ai fait de toi la reine du marché. Fais du boucan. Moi, Osioma, reine du marché. Il a chef tel des femmes désormais. Hey, chef tel des femmes. Tu ne sais pas que je t'aime? L'amour. Tu m'aimes? Ouais. L'amour. Oh, Bidigbo. Hey! Je t'ai toujours aimé pendant très longtemps. Ne t'en fais pas, hein? Je ne te décevrai jamais. Moi, je suis une femme de paix. Je vais apporter la paix si tu oublies de collecter l'argent. Si sur l'une de ces femmes, tu oublies de collecter l'argent. Je vais t'aider, je vais collecter et venir te donner. La chef-taine des femmes, la chef-taine des femmes. Chef-taine du marché. L'amour, du marché. L'amour. Merci. Tu as vu, n'est-ce pas? Tu as vu? Hein? Oh. Hein? Oui. L'odeur. Tu sens mauvais. Ne bouge pas, ne décale plus. Reste là-bas, ne t'approche pas. Ce n'est plus ton amour. Ne t'approche pas. Ce n'est plus ta reine. Ce n'est plus ta reine. Pardon, arrêtez-vous sa blague. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que cette femme te touche? C'est l'amour. Yeah man, c'est suspect. Tu pourrais la ramener une fois.
Bébé, comment toi aussi tu me tournes comme ça? Viens juste me donner un peu. Juste un tout petit peu. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas d'humeur. Obedigo, je ne suis pas d'humeur en ce moment. Je ne le suis pas. Pourquoi tu n'es pas d'humeur? Hein? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi, tu n'es pas d'humeur? Vu un autre homme, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps, pardon. Bébé, s'il te plaît, non. Juste un peu, un tout petit peu, juste comme ça. Obidigbo, tu sais exactement ce que je te demande de faire pour moi. Fais le nécessaire. Au quoi faut dire, bafogolo gimie. Gimi guguan guignem. Lorsque tu vas me donner de l'argent, là je vais faire ce que tu me demandes de bébé, faire. Bébé, tu sais que l'argent n'est pas un problème. Tu es mon bébé en or. Alors, allons, tu me donnes le truc, non? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah. Écoute bébé, je n'ai aucun problème à te donner de l'argent. Le seul problème que j'ai maintenant est que l'argent que je vais te donner, tu as envie d'utiliser ça pour ouvrir ton bar. Et je ne suis pas d'accord avec Pourquoi? Ça. Pourquoi? Tu veux déjà me traiter comme un idiot. Tu vas ouvrir ton bar et tous ces salopards vont commencer à venir toucher à mon investissement. Écoute ce que tu dis. Tes pensées sont vraiment noires. Comment ça? Vraiment très noires. Écoute, la maison de bière donne vraiment beaucoup d'argent. C'est un bon business. Si tu ne me donnes pas d'argent pour l'ouvrir, je vais continuer à te punir. Obi, je vais continuer de te punir. C'est même quoi que tu racontes comme ça? Achukonomema. Si tu apportes l'argent, je vais te faire ce que tu veux. Mais si tu n'apportes pas l'argent, je vais continuer de te punir. Bébé. Tu n'apportes pas l'argent? Tu ne veux toujours pas? S'il te plaît. D'accord. Quand tu vas changer d'avis, tu sais où me trouver. Hein? Moi aussi, te laisser? Pour qui? Zuma. Ah ah, Tinelo Amaka. Tu es perdue? Tu penses quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas perdue, je suis contente. Hein? Regarde comment tu es en train de sourire. Comme si tu as gagné à la loterie. Tu as gagné à la loterie? J'ai gagné, oh! Beaucoup même. Elle est même partie du marché avant l'heure. Je ne suis pas sûre qu'elle a fini de vendre sa nourriture. Avant de rentrer. Pourquoi? Ma nourriture est même encore à l'intérieur. Beaucoup comme ça. Mais je m'en fous. Je suis la femme la plus contente sur cette terre. Dieu a encore fait pour moi. Oui. Mes sœurs. Laissez-moi vous dire quelque chose. Obidigbo. Mon roi. Le roi de tout ce marché. A dit que... il m'aime. Et qu'il va arrêter de faire la collecte des tickets chez moi. Il a fait de moi sa chérie. Et la reine de tout ce marché. Attends, attends, attends. Toi. Toi que je vois ici, reine du marché. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ah. Ozuma, je suis sûre que tu confonds les choses. Je me demande comment un jeune et beau garçon comme lui peut t'aimer. Amaka, je ne suis pas belle. Je suis une très belle femme. Mais ça, c'est gros. Et ça balance comme ça. Mes fesses sont charnues. Oui, on sait. Alors, tu... comment il ne va pas m'aimer? Pourquoi il ne va pas m'aimer? C'est vrai, oh. Tu es belle, oh. C'est juste que... nous avons vraiment du mal à y croire. Hey! C'est pourtant vrai, oh. Je suis maintenant la reine du marché. Une fois que vous avez un petit problème, venez d'abord me voir. Avant d'aller voir mon petit ami. Vous comprenez? Alors, c'est désormais ça. Vous devez simplement croire. Pas de problème. Hey, asseyez-vous, non? Comment vous pouvez rester debout comme ça? Asseyez-vous. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ciao, pas de problème. Boss, pourquoi tu es toujours aussi abattu, boss? Puisque tu as décidé de ne pas lui donner de l'argent. Le commerce de la bière n'est pas une bonne affaire, boss. Ce n'est pas une bonne affaire du tout. Je ne peux pas t'encourager dans ça, boss. Je voudrais juste la rendre heureuse. Tout ce que je veux, c'est la rendre heureuse. Tu ne vas quand même pas te tuer pour ça. Tu as essayé, boss. Tu ne vas pas te tuer pour ça. Tu as essayé. Hein? Boss. En ce qui me concerne, moi, ça va. Pour moi, ça va. Il faut que je parte, sinon je risque d'oublier. Hein? Je voulais dire que tu dépenses trop d'argent sur cette fille-là. C'est vrai ce que je dis. Tu sais que ce n'est pas facile. Tous les jours, tu dépenses et l'argent ne fait que partir tous les jours. Au lieu d'aller garder l'argent dans la vraie banque, la banque des fesses.
chaque jour, la banque des fesses. Nous devons faire des achats aussi. Permets-moi de te clarifier les choses là-dessus. Parce que j'ai l'impression que tu manques de vision. Vraiment? Le derrière des Fioma, c'est mon compte bancaire. C'est mon investissement de luxe. Je ne m'amuse pas avec ça. Si quelqu'un tente de s'amuser avec mon investissement, c'est un homme mort. Toi, dim, t'as fait un point avec tes conneries là, dis donc. Tu embêtes les gens avec des bruits inutiles. Tu embêtes les gens. Laisse ça, frère, arrête ça rapidement. Et écoute, évite de parler de ce qui ne te regarde pas, ok? Arrête ça avec moi. Espèce de fou. Et t'as fait pas de quoi finir. Mon roi. Laisse ça. Obidigo. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici, celle-là? Mon roi, je suis contente de te voir. Mon roi. Je ne veux pas qu'on me dérange. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon roi, j'ai apporté de la bonne nourriture pour toi. Je sais que tu auras faim d'ici la soirée. Alors, j'ai préparé une nourriture spéciale pour toi. Il y a beaucoup de viande dedans. Tu vas seulement adorer ça. Paul. Présent. Récupère ça. Envoie ici. Non, ça va se verser. Viens chercher ça ici. Laisse, je vais prendre. Donne ça ici. J'ai apporté de l'eau en sachet. Non, ça va, c'est bon. Ça va? Nada, tu sais que c'est la nourriture qui est là-dedans. Tu veux l'eau en bouteille? Ça va, c'est ça bon. Ça te va? Nada, c'est pour toi que j'ai préparé cette nourriture. D'accord. Je vais revenir chercher mon thermos, d'accord? Non, ne te dérange pas. Je vais envoyer l'un de mes hommes. Ramène-la lui. Lui. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Lui. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Va là-bas avec ça. Tu fais un quai. Tu as suivi ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Je ne comprends pas. Tu as quel problème? Tu n'es pas le seul à fumer ici. Nous tous ici, nous fumons. Nous, on fume, mais ça te dérange? Je vous dis, vous apprenez encore à fumer. C'est nous qui fumons. Qu'est-ce qu'il raconte? Bête. Oh, arrête ça. Attendez. Je vais vous battre ici, hein. Hey. Neo. Urena, écoute-moi. Si tu peux plaider ma cause auprès d'Ozioma, demande-lui de m'épouser. Je serai très content. Et je vais prendre très bien soin d'elle. Je te dis, ce sera très grave. On te fera oser. Quand tu la verras, ta fille, tu seras très contente. Crois-moi. Chukukene, je ne peux pas forcer ma fille, Ozioma, à t'épouser. Connaissant le genre d'homme que tu es. Ozioma et toi, vous êtes pareils. Je suis sa mère, n'est-ce pas? Mais comment? C'est le cas. Si jamais il s'avère qu'Ozioma ne t'aime pas, ce n'est pas mon problème. Tu as parfaitement raison. Mais tu peux toujours la convaincre de m'épouser. Moi si? Si elle accepte, n'est-ce pas? Je vais lui construire une grande bâche. Je vais aussi tout apporter. Les bouteilles d'huile, les seaux, les bassines, les assiettes. Je vais vraiment tout apporter. Tout ce qu'il faut pour payer sa dot. Et même ce qu'il ne faut pas. Je t'assure, la voilà qui arrive. Vas-y, chérie. Bienvenue à toi, ma femme. Qui est ta femme? Écoute, Chukukene, il faut te méfier. Arrête de m'appeler ta femme. Tu ne sais pas que tu es plus vieux que mon père? Tu ne le sais pas? Pourquoi est-ce que tu m'appelles ta femme? Je ressemble à ta femme? Demande-lui. Il faut te respecter. Écoute, si c'est pour ça que tu viens ici pour manger, arrête de venir. Arrête d'acheter la nourriture chez moi. Tu m'as compris? Essaye de te respecter. Maman, avertis cet homme. Ne t'occupe pas de lui. Avertis Chukukene. Papa Chukukene, avertis-le. Reste loin de moi. Éloigne-toi de mon passage et cesse de m'appeler ta femme. Je ne le suis pas. Et pour ton information, Ozioma que voici n'est plus sur le marché. J'ai déjà mon petit ami. Impossible. Obidigbo, le roi du marché, est maintenant mon petit ami. Sorcellerie. Oui, il a fait de moi la reine du marché. Désormais, reste à l'écart. Je suis maintenant la reine du marché. N'importe quoi. Tu as entendu ça? Pardon, ne me touche pas. Les gens de ce village viennent de me voler ma femme! N'essaye même plus de me toucher une autre fois. Ne fais même plus cette erreur. Chukukene, n'essaye même plus de me toucher avec le moindre petit doigt. Aïe! Tu penses même que... En fait, je ne discute plus de rien du tout avec toi. Ne m'inquiète plus dans ça. N'importe quoi. Les gens d'ici ont encore volé ma femme! Obidigbo, c'est qui? Qui est Obidigbo? Je vous jure que si je l'attrape, je vais seulement le déchirer comme un rat. Obidigbo, c'est qui? Qui est Obidigbo? Idiot. Obidigbo, c'est qui? Où est cet Obidigbo?
Je vais finir avec toi, Obidjigbo. Obidjigbo, Gabore, Kakobo, Zibo. Eh ouais, Obidjigbo. Obidjigbo, tu vas m'entendre passer aujourd'hui. Obidjigbo, Gamota. Qui est Obidjigbo? Un sale fou. Ah ah. Ça, c'est accepter que ma fille ne change plus jamais. Hein? Il n'y a rien de bon chez toi qu'Ozioma devra copier. Donc, ma Ozioma devra demeurer une sale femme. Ogo Orumago Guacarego, espèce de sale fou. Va-t'en de chez moi. Femme, je t'aime. Vieux fou. Avec toutes tes sales habitudes, tu veux encore venir épouser Ozioma. Donc, Ozioma ne changera plus jamais de sa vie. Omaro Karo. Comment tu vas, bébé? Ah, tu m'as manqué. Waouh! Quand es-tu arrivé? Je suis arrivé cette nuit. Tourne un peu, je vois. Regarde-moi. Oh, waouh! Regarde ça. Waouh! C'est mon bébé. Viens, merci. Viens. Oh, wow. Oh mon Dieu. Tu m'as manqué, bébé. C'est à qui cette voiture? C'est l'un de mes engins, bébé. Ce n'est pas vrai. C'est ma voiture. Tu as percé, oh mon Dieu. Je suis si contente. Ah oui, bébé. Je dois me balader dans cette voiture. Hey. Attends, j'entre d'abord, après je ressors. Vas-y, bébé. Je vais entrer. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hey. Tu es de retour. Je suis de retour, bébé. De retour. Je suis de retour pour de vrai. Si. On va m'entendre dans ce village. Oh, oui. Hey, mon bébé. Mon bébé. C'est comment bébé. Ça, bébé? Mon bébé. Ça pour moi. Bébé. Yeah. Hey, bébé. Tu m'as manqué, bébé. Tu m'as tellement manqué. Tu es vraiment belle, mon amour. Tu es tellement belle, bébé. Regarde-toi. Regarde-toi, bébé. Maman mia. C'est pas possible. C'est pas possible. Aïe. On va tout voir dans ce village. Je n'arrive pas à y croire. Ah. Donc le gars arrive et il part déjà dedans. Je ne peux pas laisser ça. Jay, je vais aller là-bas. Quand on t'envoie acheter les arachides, tu pars seulement acheter n'importe où et ce n'est même pas sucré. C'est quoi le problème? Tu n'aimes pas les arachides? Bon dans ta bouche? Assez avec ces enfantillages. Je dis qu'on va nous entendre dans ce village. Il y a quoi? La magie? Il y a eu quoi? C'est très très grave. Ne nous perds pas le temps. Tu ne croiras pas ce que j'ai vu. Hein? Ce n'est pas mon cerveau que j'ai fabriqué, hein? Il nous perd le temps. Tu écoutes ce que je dis? Fabriquer n'est pas bien. Mais si tu écoutes ce qui sortira de ma bouche, fabriquer dans sa tête n'est pas bien. Ta fille est morte? T'as peur de toi? Qu'est-ce qu'il y a? Le dire si tu te dis ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey! J'ai vu ton investissement. Et c'est tout? Avec un gars qui est rouge comme la tomate. Ha! Ha! J'ai confirmé, Ned, c'est un dragueur. Il a fumé le Colorado. Mon investissement. Je sais ce que je dis. Chuck Van investissement. Il fume, non? C'est une blague? Est-ce que je peux blaguer avec des trucs? Je te dis, il a fumé le Colorado. Il a fumé le Colorado. Il a fumé le Colorado. Bébé, tu sais que tu es l'amour de ma vie. C'est pour ça que je suis tellement contente que tu sois revenue. Bienvenue. Bébé, j'aimerais te poser une question, ok? Voudrais-tu me dire que depuis mon départ du village, aucun homme, je dis bien aucun homme, n'a touché cette belle silhouette? Non. Qui peut tenter? Oui, je sais que je suis super belle. Ils sont nombreux à essayer, mais je les repousse tous. Pour de vrai? Oui! Aucun d'entre eux n'est comparable à toi. Parce que je sais que je t'aime. Je vais voir de mes yeux. Confirme. Voilà le dur. Je te dis, confirme alors. Incroyable. Incroyable. Alors Ifyoma, c'est vrai? Ifyoma. Ça veut dire quoi, ça? Quoi, comment? Hein? C'est qui, ce connard? Les femmes. Bébé? Mais qui est ce zèbre? Mais putain, négro, de quoi est-ce que tu entends parler? Tu dis quoi? Ah, Ovidi, c'est quoi ton problème? Est-ce que t'es malade? Non. Est-ce que tu n'as pas tous tes sens? Ah. Tu es nouveau ici, chez nous? Tu es nouveau dans ce village? Tu ne sais pas que ça, c'est mon investissement?
Même si tu ne le savais pas, tu ne peux pas réfléchir. Obidji, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai dit que c'était mon invité. Ne lui parle pas n'importe comment. Tu dis quoi? Je n'aime pas quand tu... Qu'est-ce que tu dis? Redis-le encore. Non! Qu'est-ce qui se passe? Tu oses siffler ma femme? Tu poses tes sales pattes de merde sur ma femme, ça ne va pas chez toi? Ah, ne me touchez pas! T'es fou, hein? Laisse-le tranquille. Ah, t'es malade, hein? Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! T'es malade, hein? Arrêtez! Laissez-le, laissez-le! Tu es malade? S'il te plaît, dis-leur d'arrêter! Dis-leur d'arrêter! Dis-leur d'arrêter! Obi! Obi, arrêtez! Oh mon Dieu! Obi, dis-leur d'arrêter! Tu es fou, hein? Obi! Obi! Boss, calme-toi. Boss, essaye de te calmer. Essaye juste de te calmer, boss. Calme-toi, reste tranquille. Le chemin vers la femme est une route en or pour tuer l'homme. Les femmes merdent. Je te jure, tu vois la femme. C'est la femme qui fait l'homme et c'est la femme qui tue l'homme. Je suis d'accord. Hein? Donc, après tout ce que j'ai fait à Ifyoma, après tout ça, alors c'est comme ça qu'elle veut me remercier. Ok, ça va, c'est bon. Ouais, c'est la vie. Vous voyez vous-même. Les problèmes de famille. Le dur, moi je t'avais dit ça plusieurs fois. La fille là est malhonnête. Hein? Je dis que les filles sont malhonnêtes. C'est à cause de ton argent que cette fille là t'approche. Elle ne t'aime pas. Les filles sont malhonnêtes, je t'avais dit. Bon, je te l'avais dit depuis, non? Que cette fille n'était pas du tout fidèle. Je te le disais, mais tu ne me croyais pas. Cette fille ne faisait que jouer avec ta vie, boss. Elle collait sur toi à cause de ton petit argent. C'est moi qui te le dis, boss. Comme tu l'as déjà attrapé, il faut seulement que tu l'oublies, boss. Oh, Toto, ta prata. Tu vois la fille, là? C'est une grosse voleuse. Je t'ai dit. Ok, sans problème. Obi. Je suis venue t'avertir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce soit la toute dernière fois que tu viennes encore chez moi pour m'insulter ou insulter l'un de mes invités. Tu comprends ça? Et à cet effet, je ne veux plus de cette relation. C'est terminé. C'est fini. F-I-N-I. Paul, elle a dit quoi? Fini. F-I-N-I. Fini. Ma chère amie, tu mens. Hey. Je te dis que tu mens. On verra. Tu es folle? Tu es stupide. Tu es malheureux. Toi, tu es... En fait, tu es folle. C'est stupide. En fait, tu n'as rien dans la tête. Attends. Ifyoma, attends un peu. Mbaka, au baléon. Écoute, Ifyoma. Ce n'est pas à cause de ton derrière que tu vas m'insulter, hein. Ce n'est pas parce que je prends soin de toi que tu vas profiter de moi. Non, jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? T'as merdé. Hein? Ou alors, parce que je ne t'ai pas donné l'argent pour ouvrir ton bar. C'est pour ça que tu me trompes maintenant? Tu n'as aucun droit de lever la main sur moi. Tu m'as frappé au visage. Parce que tu m'as vu avec un homme. Tu sais ce que je faisais avec cet homme? S'il te plaît, reste de ton côté. Voilà ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Reste de ton côté. Ça, c'est un petit problème. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Arrête de te mettre en colère. Je suis fâchée. Je suis déjà à bout. Je suis vraiment très fâchée. Reste de ton côté et je reste dans le mien. Je suis fatiguée. C'est quoi tout ça? Tu es fatiguée? Oui. Tu es fatiguée? Oui. Pas de problème alors. Moi de même, je suis fatiguée. Ok. Faisons donc les états. Ça veut dire quoi? Nous devons calculer toutes les dépenses. Tout ce que j'ai dépensé sur ton derrière, tu me le remets. C'est quoi avec toi? Tu dois tout me rembourser, on fait les états. Bien sûr. Je constate vraiment que tu es un idiot. C'est vraiment clair à mes yeux que tu es extrêmement amusant. Moi, que je dois te remettre tout l'argent que tu m'avais donné. Tout ce temps où tu me donnais de l'argent, tu ne touchais pas aussi mon corps? Tu m'étonnes, c'était du romantisme. Hey, ce romantisme est permis à ce que libre. Je sache. Ouais. Obi, tu veux ton argent? Viens chercher ton argent. Prends ton argent. N'importe quoi. Ifyoma. Attention, boss. Calme-toi. Elle te prenait comme son jouet, hein? Attention, boss. Vraiment comme son jouet. Tu as pris son dos et maintenant elle t'insulte. Maintenant elle a fini avec toi. Ce n'est pas possible. Elle vient te parler comme ça le dur. N'importe quoi. Oh, il n'y a pas de problème. Oh, toi, ta prata. C'est toi le boss. Hein? Je suis dépassé, c'est comme ça les femmes. Regarde ton visage.
Je suis vraiment désolée, mon chéri. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui se passe avec Obidibo. Il est tellement obsédé par moi. Il ne veut pas me voir avec un autre homme. Je lui ai demandé de rester loin de moi, que nous n'avons plus rien en commun, mais il ne veut rien comprendre. Regarde maintenant ce qu'il t'a fait. Je suis vraiment désolée. Mais bébé, je voudrais connaître quelque chose, d'accord? Voudrais-tu me dire que tu n'as rien en commun? Vraiment rien en commun avec ce fou? Bien sûr que non. Obidibo, le célèbre philo du village, qui ne le connaît pas dans ce village. Je ne pourrai jamais avoir quelque chose en commun avec lui. Toi aussi, je n'évolue pas dans cette catégorie. Désolée. Alors il va certainement payer de m'avoir bastonné de la sorte. Non, 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 mon amour. Écoute-moi, laisse Obidibo tranquille. Tout le monde connaît bien l'horreur qu'il... En fait, à quel point il est dangereux. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive à nouveau un malheur. S'il te plaît. Ne t'en fais pas, chérie. Je sais comment traiter ce géant-là, d'accord? Écoute, bébé. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire, d'accord? Je dois me faire des inquiétudes si tu poursuis ce mec. Laisse-le tranquille. Ne t'en fais pas, bébé. Alors viens, ok? Viens. Viens, bébé. Viens t'asseoir. Number one, I want a number one. La number one, me kissi me ezege. Toi! Oh, ma ezege, mi ya se du tu ragado. Ezege. Ezege, le diable! Eh, comme yo. Kumbaya, ya, ya, kumbaya. Ayaga, ya, kumbaya, ya, ya, kumbaya. Kiku! Kumbaya, ya, ya, kumbaya. Toi! Ezege, kumbaya. Ha! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu entends? Attends, je ne t'ai pas entendu, t'as dit quoi? Une bagarre au marché? Je devrais venir? Et pourquoi tu ne leur as pas demandé de venir ici? Oh, attends, il y a le marché. À genoux. Ouais. Petit menteur. Tétos. Les femmes bagarrent dans mon marché. Et toi, tu ne peux pas les amener ici? Très bien. Retourne au marché. Retourne au marché tout de suite. Dis-leur de venir ici. Marche. Boum. C'est là-bas qu'on va voir ça. Tu me balades? Arrête avec ça, Paul. Paul, arrête avec ça. Il faut un peu être sérieux dans la vie. Arrête ça. Il faut parfois être sérieux. Tu n'entends pas ce qu'on dit là? Et mes tickets. Tu es là, Moi, je t'ai dit, ce garçon a fumé du Colorado. C'est ça qu'il a fumé. Oh, c'est Wago. Je t'ai dit, c'est comme ça qu'ils sont toujours. Oh, c'est Wago. Il a pris ça. Malagi Manatawa. C'est comme ça qu'il fume. Oh, les connaisseurs. Boum. Arrête un peu avec tes conneries. Mon petit. N'importe quoi. Odi Akini. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Honte. Ne me tente surtout ça pas. Ça ne te passe pas ainsi. Et tu puis me connais très bien. Que tu es qui? Ce que tu es en train de faire. Tu n'es qu'une pauvre folle. Fille, folle. Que tu es. Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Ok. Hé hé. Osium. Hey, respecte cet espace, hein. Respecte ça. Vous respecte avez perdu la espace, tête. Tu m'as compris? Respecte-le. Je demande. Ce sont ces deux-là qui bagarraient. Pourquoi doit-on amener la reine du marché ici? Le dur, c'était vraiment chaud. Si tu allais toi-même au marché, toi-même tu allais voir. Alors, que s'est-il passé? Parle. Parle. Je suis désolée, Essé. Mais depuis que tu as fait d'Uzoma la reine du marché, elle se comporte comme si elle était la propriétaire du marché. Mais laisse-moi te dire une chose. Tes bêtises-là ne marchent pas avec moi, d'accord? La ferme! La ferme! Hey. Tu ne fais rien pour attendre. Le dur, laisse-moi te... Mais j'essaie de... Chinelo, tu es vraiment méchante. Oui, tu es une fille méchante. Et je pense que tu es jalouse, parce que je l'ai établie reine du marché. Oh! Ou bien, ça apparaît même sur ton visage. Tu es jalouse parce que j'ai fait d'elle la reine du marché. Ozioma qui est là, je la connais bien. Elle n'aime pas les problèmes. Oh!
Oh, oh. C'est toi qui apportes les troubles. Mm-hmm. Voilà. Et tu sais quoi? Je vais te renvoyer. Rentre chez toi. Et imagine que... mais je... Hein? D'accord, pars. Va-t'en, nous te pardonnons. Qu'est-ce qui ne va je pas? Je t'ai dit de partez. Partir. On te pardonne, pars. Partez, allez, pars. Partez. N'importe quoi. Hey! Le dur. Hein? Depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais senti quelque chose qui pue autant. Mmh. Le dur de son corps, c'est la magie, les gars, je vous assure. Je croyais que c'était faux. Donc cette fille a commencé à se pavaner comme étant vraiment la reine du marché. Ça me dépasse. Tu n'as encore rien vu, crois-moi. Rien du tout, je t'assure. Vraiment rien du tout. Ce n'est pas vrai. Vous savez même pourquoi je ne l'ai pas laissé parler? Parce que si elle ouvre sa bouche, l'odeur, on dirait du feu dans la bouche du dragon. Ça allait s'abattre sur nous. C'est pas possible. Mais comment c'est possible? Comment quelqu'un peut puer de la bouche de cette façon? Ça me dépasse. Mais je dis, hein, ça fait même comment pour atteindre ce niveau? Je ne t'ai pas dit, pour hier, je passais tranquillement, elle m'appelle et me dit, viens manger, viens manger. S'il te plaît, je cherche un salopard qui a des locks tombants avec des coris. Oui, grande taille, exact. Non, nous sortons du marché et nous ne l'avons pas vu. Hein? Oh, Toto, ta prata. C'est toi le boss. Hey, frappe-moi ça, je suis au taquet. Traverse-moi, tu es fou. Police. La police? Le dur. Pourquoi est-ce qu'il nous cherche? Alors. Viens, on fuit. Viens. Bon. Le dur, allons-y. Bon. Viens là-bas. Regardez bien, vérifiez. Vérifiez partout. N'est-ce pas là le jeune homme qui nous a indiqué le chemin? Tu veux dire le garçon qui venait de... Oui, bien sûr. Oui. C'est lui? C'est lui, oui, c'est lui. Je pense qu'il a remarqué que nous sommes de la police. Et il a couru pour les alerter. Mais ne vous en faites pas. Nous allons les pêcher. Monsieur l'agent, j'aimerais que vous usiez de tous les moyens possibles pour arrêter ce voyou. Nous l'aurons. Allons-y. Thank you.
Ifioma ! Ifioma ! Alors tu as envoyé ton nouveau petit ami pour m'arrêter avec la police ? Hein, Ifioma ? Obi Dibo, tu es fou ? Hein ? Tu as perdu la tête ? Tu as perdu la notion du temps ? Je te le demande. Combien de fois t'ai-je demandé de ne plus mettre tes pieds dans mon espace ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ifioma ! Quoi ? Pourquoi tu me parles de cette façon ? Ifioma ! Ifioma, écoute, est-ce que tu sais que tu joues avec le feu ? Hein, Ifioma ? Est-ce que tu sais que tu joues avec le feu et que ce feu va te brûler ? Ifioma, tu me connais mal. Tu me rembourses. Rembourse-moi tout. Tout ce que j'ai dépensé sur ton derrière, tu me le rembourses. Rembourser, mais... rembourser quoi ? Joseph le rêveur, peut-être que tu rêves. Rembourser quoi ? Ok, si je te rembourse tout l'argent que tu m'as donné, tu me rembourses aussi chaque partie de mon corps que tu as touché. Tu me rembourses. Tu me rembourses mes fesses et toutes les fois où tu as touché mes fesses. Rembourse-moi mes seins que tu as sucés. Tous mes seins que tu as sucés. Rembourse-moi. Je te dis de me rembourser. Si je te rembourse, tu me rembourses aussi. Ifioma, tu joues avec le n'importe feu. Quoi. Tu penses que je m'amuse et avec toi. Et qui s'amuse avec toi. Tu penses que je et m'amuse. Et qui s'amuse avec toi. Tu m'as aussi épuisé. Je vais te frapper. Tu m'as aussi épuisé. Je vais te frapper. Tu ne peux rien me faire. Ifioma, je vais te tuer. Tu ne peux rien faire. Tiens-lui la vie. Montre-lui comment ça se passe. Boss. Qu'est-ce que tu fais comme ça, Boss? Calme-toi, Boss. Tu es un voyou. Merci. Tu es un voyou. Moi, je suis quelqu'un. Je vais m'assurer que tu ailles en prison. Tu veux me tuer? Je vais m'assurer que tu ailles en prison. Partons d'ici, Boss. Dans cet endroit. Allons-y, Boss. Tout ce que tu fais, hein? Toi, tu as tout. C'est toi, le Boss. Venez, les gars. On va les massacrer. On va ailleurs. Boss, c'est une perte de temps. Laisse cette fille. Cette fille t'étend en piège, Boss. Et elle veut que tu tombes dedans. Dis à ton copain que je reviens. Tu veux dire que ses copains lui étaient si portés menacés ? Il sait que nous sommes à ses trousses. Je vais certainement le pêcher, peu importe où il se trouve. Nous l'aurons. Ça va, bébé, arrête de pleurer. Je suis là maintenant, rien ne peut t'arriver. D'accord ? Monsieur l'agent, faites tout votre possible pour arrêter ce filou. Nous l'aurons, monsieur. Ils m'ont vraiment menacé. Ça va, bébé, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est encore passé, non? Il ne reste plus ici. Voilà déjà 3 jours, personne ne les a vus. Est-ce que c'est ceux qui sont encore dans ce village? Hein? Parce que je connais Obi Dibo. Il ne peut pas rester aussi longtemps sans voir mon beau visage, hein? Ou encore ne pas prendre les tickets chez les femmes du marché. J'espère qu'il va bien. Je ne sais même pas là où il vit. Le sol est déjà très sale. Jusqu'à 3 jours, on ne les a pas vus. Né, ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu as vu mon fils? Tu ne l'as pas vu. Hey, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je vais le chercher? Hey, Nguanou, est-ce que je fais demi-tour? Comme ceci? De ce côté. De ce côté. De ce côté. Hey. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Maman? Maman, tu vas bien? Qu'est-ce que tu cherches, hein? Oui. Je cherche mon fils. Ton fils? Je ne l'ai pas vu depuis des jours maintenant. Ok, tu sais quoi? Rentre. Il reviendra. C'est comme ça que les enfants de nos jours se comportent. Hein? À la maison? Oui, il reviendra. Tu comprends? Laisse-moi aller. Laisse-moi aller le chercher. Mais ne t'en fais pas, il faut rentrer à la maison. Il reviendra.
On ne comprend pas les enfants de maintenant. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Quand je n'ai pas vu mon fils. Maman, rentre à la maison, à la maison. Tu me suis. Ton fils va revenir. Oh. Hey, qu'est-ce qui se passe? Oh, Guinée. Hey. On est. Maman, t'inquiète pas, lève-toi. Ton fils va rentrer, hein? Il va rentrer. Où est-ce que tu habites? Laisse-moi te raccompagner, hein? Où est-ce que tu habites? Tu ne te sens pas bien. Où est-ce que j'habite? Hein? Ok. Non loin d'ici. Hey, d'accord, laisse-moi te conduire à la maison. T'inquiète pas, ton fils va rentrer. Okay. Il va rentrer. Il ne prête juste pas attention au temps. Tu es sûr qu'il va rentrer? Il va revenir. C'est comme ça que les enfants sont de nos jours. Doucement, lève-toi. Il faut te lever, hein? C'est comme ça que les enfants d'aujourd'hui sont. Hein? Tu es sûr? Hein? Tu es sûr qu'on ne devrait pas aller le chercher? Pas. Viens, on part. Viens, je t'accompagne à la Il maison. Il doit peut-être te trouver là-bas. Tu ne te sens pas bien. Tu as besoin de repos. Oh? Ok. Allons-y. Regarde comment ta tête est. Ton fils va rentrer. Viens t'asseoir. T'en fais pas, il va rentrer. Il va bientôt rentrer, tu as compris? Doucement. Ok. Hey. Ok. Maman, apparemment, tu t'apprêtais à cuisiner avant de sortir. Oui. J'étais sur le point de cuisiner avant que je ne sorte pour aller chercher mon fils. Oui. Tu sais quoi? Laisse-moi t'aider. Hey. Oui. Ah. Tu veux m'aider? Oui. C'est ce que je fais dans ma vie, cuisiner. Ah. Tu vas aimer. C'est le riz. C'est tellement gentil de ta part. Maman, c'est combien de tasses de riz ici? Environ 6 tasses de riz. 6 tasses? Oui. Comment tu sais que ton fils finira ça? Ah, mon fils aime la nourriture. Il aime tellement la nourriture. T'inquiète pas. Ne t'en fais pas, c'est suffisant. Ok, laisse-moi t'aider. Où est la cuisine? Voilà la cuisine. Oui. Merci. Hey, c'est tellement gentil de ta part. Laisse-moi vite cuisiner pour toi. Oh. Merci beaucoup. De rien. Maman, c'est ici la cuisine? Oui, c'est là-bas. C'est là-bas, dans la cuisine. Merci infiniment, hein? Que Dieu te bénisse abondamment. Hey, est-ce bon, moi? Dieu va te bénir pour moi. Comment j'allais faire? Hey, mon fils, rentre à la maison. Maman, eh? Cette nourriture est bonne. C'est bon. Hey, tu vas aimer ça. Eh? Hey, t'inquiète pas, tu vas aimer. Tu veux goûter? Et quand tu auras fini? Oui, tu vas goûter ça. Exactement. Maman, où est le Maggi? Maggi? Oui. Ok, c'est dans l'assiette derrière toi. Oh, d'accord, j'ai vu. Maman, goûte cette nourriture. Ma nourriture est toujours délicieuse. C'est très bon. Vraiment délicieux. Je t'ai dit. Ah, tu l'as dit, oh. Oui, que je suis une grande cuisinière. Exactement. Écoute, maman, où je vends la nourriture, les gens s'alignent pour prendre. Ils me donnent beaucoup de billets. Chai, tu vends de la nourriture? Oui, non? J'ai un restaurant où je vends de la nourriture. Pas étonnant. C'est vraiment très bon. Maman. Très, très bon. Tu sais quoi? Je vais souvent venir de temps en temps t'aider à faire la cuisine. Ah, merci infiniment. Oh, Dieu va te bénir pour moi. Il n'y a pas. Dieu va te bénir. Et ton fils va bientôt rentrer. Oh? C'est un petit problème, hein? Merci. Merci infiniment. Maman. Merci. J'ai envie de me mettre à l'aise. Tu veux te mettre à l'aise? Oui. D'accord. C'est derrière. Derrière. Reviens vite, hein. Comme ça, tu viens me rejoindre.
C'est tellement bon. Ma maman chérie. Ma maman chérie. Alors, maman, c'est comment? Maman, comment tu vas? D'où est-ce que tu viens? Je suis désolé, maman. Écoute, laisse-moi te dire, ce n'est pas de ma faute. Hein? Je te le jure, ce n'est pas de ma faute. Je fuis pour sauver ma peau. La police me recherche. Assez? La police? Oui, maman. Maman, je goûte un peu. Un connard. Pourquoi est-ce que la police te recherche? Maman, s'il te plaît, laisse-nous d'abord manger un peu. Allez, mec, assieds-toi, mangeons un peu. Je ne suis pas à l'aise, oh. Tu vas te finir, Obi, hein? Obi, je ne suis pas à l'aise avec tout ceci. Donne-moi aussi, je mange. Pour, pourquoi est-ce que la police te cherche, hein? Pourquoi est-ce qu'ils te cherchent? Si seulement je pouvais te raconter. Permets-moi juste de savourer cette bonne nourriture. C'est quoi ton problème? Allez, redonnez-moi mon plat. Tu veux... Allez, allez vous servir. Obi. Mais maman... Non, plan, maman, elle nous a juste de la nourriture. C'est ta maison ici. Je vais te... Je pourrais te chasser à l'instant. Désolé, même. Boss, désolé. Tu arrives ici, tu ouvres ta large bouche jusqu'à... Tu commences à discuter la nourriture avec moi. Maman, vous n'allez jamais chercher pour nous, non? Hein? Vous bagarrez maman. Pour la nourriture. Allez vous servir. Maman, il y en a plus dans la maman, cuisine. Demandé cette que tu nourriture n'a pas le goût de ta nourriture. Maman, c'est moi qui te le dis. Peu importe ce que tu vas me raconter. Je te connais. Écoute, maman. Même dans mes rêves, si je goûte à ta nourriture, je le saurai. Ce n'est pas comme si ta nourriture n'est pas bonne. C'est pas ce que j'ai dit. Ok, pas de problème. Remets ma nourriture et va te servir. D'accord. Je m'en vais. Tu vas où avec mon plat? Maman. Hein? Ah, attends. Tiens. Qu'est-ce qui t'amuse? Tu es terrible. Maman, c'est ça dans la petite marmite? Ah. Regarde plutôt à côté. Oh, Bi. Tu voulais vider la marmite? Hey! J'ai vu un petit oiseau passer par là-bas. Tu sais qu'on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Doucement, mon frère. Ne t'en fais pas. Mais qu'est-ce qu'il doucement, je dis. À terre. Écoute, maman. La personne qui a fait cette nourriture. Même si cette personne est mariée ou pas. Moi, je vais l'épouser. Ah. La façon dont c'est bon, là... Ne t'en fais pas. Tu vas bientôt voir la personne qui a cuisiné ce repas. Bon, je vais l'épouser, maman. C'est moi qui te l'ai dit. Elle sera bientôt là. Elle arrive. Bon, cette nourriture est très bonne. Il ne faudrait pas qu'on rate la prochaine occasion. Est-ce que t'es un connard? Comment je vais la louper? La voilà. Obi? Maman, tu m'as tué. Maman, tu m'as tué. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un problème? Je ne sais pas. À part de l'eau, à part de l'eau. De l'eau. Obi, tu vas bien? Va là-bas. S'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas de ton nom. Oh, Guinée, Obi, qu'est-ce qu'il y a? Ma bouche, maman. Obi, chérie, qu'est-ce que tu as? Hein? Bois de l'eau. Hey. Pourquoi elle se comporte comme ça, maman? Je ne sais pas. Obi Dikbo. Maman. C'était quoi ce cinéma que ton ami et toi étiez en train de faire? C'était quoi, ça? Maman, écoute ce que je te dis, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom de Dieu. Je te le demande de tout mon cœur. Je te supplie avec tout mon âme et tout ce que j'ai dans... Je t'en prie, pardon. Maman, comment peux-tu... Où est-ce que tu as d'abord rencontré cette fille? Et pourquoi tu l'as amenée ici pour nous tuer? Hein? Nous tuer? Comment? Qu'est-ce que tu insinues? Maman, cette fille, elle sent. Elle peut te faire vomir. Elle a une odeur. Une odeur corporelle. Hein? Pourquoi tu l'as amenée jusqu'à ce qu'elle a fait à manger? J'ai remarqué
J'ai remarqué qu'il y avait une odeur, mais je ne savais pas que ça venait d'elle. Je ne savais pas que ça venait de son corps. Maman, maintenant tu le sais. Je t'en supplie. Ne la laisse plus venir dans cette maison. Plus du tout. Oh mon mais. Hein? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je lui ai promis qu'elle allait épouser mon fils et elle a accepté. Hein? Écoute. On pourrait plutôt lui acheter un savon. Il y a des savons que je pourrais lui acheter pour sa toilette. Hein? Et l'odeur va disparaître. Ouais, maman. Attends, je crache. Voilà ça que je m'en dis. Maman, je t'en prie, n'exagère pas. Hein? N'exagère pas. Maman, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Cette fille n'est même pas une femme. Elle est très sale, maman. Non! C'est moi qui t'ai dit. Mais mon fils, elle est bien haut. Elle a un grand cœur. Et c'est une femme de mariage. Ouais, c'est ça. Une femme. Que les autres essayent. Ne comptez pas sur moi. Maman, écoute, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si tu voudrais que je survive et reste en vie pour toi, ne laisse plus cette fille entrer dans cette maison. Point. Tu vas l'épouser. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça a marché. Oh. Oui. En fait, tu l'as déjà épousée. Tu parles pour je toi. Je l'apprécie, tu vas l'épouser. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le feu du Saint-Esprit vous consume. Qu'il vous consume. Le feu du Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Impossible, je ne l'épouserai pas. Jamais je ne l'épouserai. Jamais, jamais ça n'arrivera. Jamais. D'accord. D'accord. Ozzy, mon bébé. Hein? Ma petite chérie. Ma jolie tomate. La plus belle de toutes. Mon poumon gauche. L'élu de mon cœur. Hein? Mon bébé à moi. S'il te plaît, accepte de m'épouser. Hein? Tu en fous. Comment ça? Chikukone, tu en fous. Hein? Toi aussi, toi aussi. Pourquoi est-ce que tu te maltraites toi-même? C'est quoi tout ça? Je ne maltraite pas mon corps, je vais bien. C'est quoi tout ça? Pourquoi tu te mets à genoux pour moi? Ozzy, Ozzy, s'il te plaît, épouse-moi. Je t'aime énormément et je vais très bien t'entretenir. Chukukene, je te l'ai dit plusieurs fois. Que quoi? Je t'ai dit plusieurs fois que Ozioma que tu vois a déjà été prise. Oui, ne dis pas ça. Quelqu'un a demandé ma main en mariage et j'ai accepté. Donc va voir ailleurs. Ozzy, cet homme-là va-t-il t'aimer autant que moi je t'aime? Bien sûr. Obidigo même. Hey. Oui, il a fait de moi la reine du marché. Et même sa maman encourage notre relation. Alors, quoi de mieux? Hein? Ozzy. 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 Tu es sûr qu'il n'est pas en train de se jouer de toi? Tu coquenais? Tu souffres du paludisme. Oui, tu dois rentrer à la maison te reposer pour mieux combattre ça. Oh? Ozzy. Tu souffres de typhoïde et de paludisme. Je ne peux pas me reposer sans toi. Va à la maison te reposer. Ozzy, je ne peux pas me reposer sans toi. Hein? Tu es mon point de repos. Tu ne comprends pas ça? Hein? Laisse tous ces petits garçons. Ils viennent pour repartir. Moi, je suis là pour rester. Ah! Ah ouais? Ça c'est de la magie. C'est de la magie, je t'assure maman. Nous avons des chanteurs. Nous avons des chanteurs. Maman, c'est la vérité, nous avons de bons chanteurs. Tu ne peux pas venir m'aider. Laisse tomber maman. Les ministres ne font pas ce genre de travaux maman. Je te dis que voici de la bonne musique. Après tu vas me dire que tu as faim. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas. Il n'y a pas mieux. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, madame, je suis l'inspecteur des forces de police nigériennes. Je me nomme Frank et voici mon collègue de la police nigérienne. Où est votre fils? Il est sorti. Pourquoi est-ce que vous cherchez mon fils? Eh bien, madame, j'aimerais que vous transmettiez ce message à votre fils.
Dites-lui qu'il a piétiné la queue d'un tigre. Dites-lui que je lui rendrai la vie insupportable dans ce village. Et je vais l'empêcher de collecter les tickets d'argent dans le marché. Hey. Quand il a décidé de me défier dans ce village. Et hey. Si je le vois s'approcher d'un seul centimètre de ce marché, je le foutrai en prison. Prison? Prison? Ah, ce problème continue jusqu'à présent. Il veut m'enfermer. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Je vous en supplie. Peu importe ce qu'il vous a fait, oubliez, pardonnez-lui. Madame, c'est de rester très loin d'Ifioma. Ifioma. Dites-lui de ne plus s'approcher de ma femme. Si je vois votre bon à rien de fils s'approcher d'un seul centimètre de ma femme, on y va. Je lui dirai. Mais ne l'enfermez pas. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Eh, s'il vous plaît, merci. Je vais transmettre le message, oh? Izigbomouma, Dieu vous bénira de ma part. Donc c'est à cause d'Ifoma. C'est à cause d'Ifoma que tout ceci est en train d'arriver. Obidigbo. Ok. Il viendra me trouver ici. Qu'est-ce qui ne va même pas avec cet enfant? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Qu'est-ce qui le dérange? Il ne peut pas rester tranquille? Maman, pourquoi est-ce que tu me grondes? Pourquoi est-ce que tu me grondes? Ne t'ai-je pas averti? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Hein? Ne t'ai-je pas prévenu de rester très loin de cette bonne Ariane Ifoma? Hein? Elle est de très loin ton aînée. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Laisse-la tranquille. Maman, je l'aime. Comprends-moi aussi, non? Hein? Tu vas creuser ta propre tombe ici. C'est un nouvel amour? Maman, je ne vais creuser aucune tombe. Écoute, maman, laisse-moi te dire. Ifeoma et son nouveau copain croient qu'ils peuvent se jouer de moi. Ils sont en train de jouer avec le feu. Je suis Obidigbo, le roi du marché. Est-ce qu'ils me connaissent même? Je n'ai pas peur des policiers, même pas un seul. Obidigbo, arrête ça. Arrête ça. Écoute, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Laisse cette fille tranquille. Il y a d'autres filles dans ce village. C'est quoi ton problème? Maman, je ne vais pas lui coller la paix. Oh que si. Elle est mon investissement de tu luxe. Tu vas lui coller la paix. Je ne la laisserai pas tu tranquille. Tu vas lui coller la paix. Je ne le ferai tu pas, ne faire. Compte c'est pas quoi là-dessus. Ton problème? Comment? Maman, quand je passais lui donner des sous, c'était genre... Hey, Obi, la tête fait mal, j'ai déjà donné. Ça veut dire quoi? Obi, le téléphone, pam, j'ai déjà donné. À ce moment-là, tu ne disais rien. C'est maintenant que tu voudrais que je lui colle la paix. C'est mon investissement de luxe, maman. La paix, oui. Ça ne peut pas finir comme ça. Ton copain et toi, tous les deux, vous allez me rembourser. Oui. On est où, là? Écoute, laisse-moi te dire. Ifeoma est mon investissement de luxe. Quel hey. Ou pas, je vais têter tous ces dragueurs. Tu me suis? Écoute, hey. Pardon, maman, s'il y a à manger, donne-moi, j'ai déjà très faim. Vraiment très faim. Tu ne veux pas me donner à manger? Alors je vais rentrer dans mon quartier général. Boss, qu'est-ce qui se passe? Boss, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça fait déjà deux jours qu'on fuit la police. Tu vas allumer ça ou pas? Qu'est-ce qui ne va pas au juste, hein? Boss? Hein? Dis-moi. Pendant combien de temps allons-nous continuer à vivre ainsi, boss? Je ne comprends plus rien. Je suis fatigué. Mais le dur, ça fait quelques jours maintenant que nous sommes tristes. Le dur, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Je garde la communauté qu'on gouvernait. Tout le monde était en bas. Subitement, tout s'arrête et on commence à fuir. Hein? Les tickets qu'on collectait pour manger un peu, il n'y a plus moyen. Rien. Je dis ça rien. Ça va trop durer. C'est comme ça qu'on va rester? C'est comme ça qu'on va rester? Rien. Moi, je suis déjà fatigué. Ça ne donne pas. Les gars. Paul et Jean. Harry, les gars. Ne paniquons pas. Gardons notre sang froid. Écoutez, je vais vous dire un truc. On n'entre pas avec précipitation dans deux ministères.
Parce que si vous entrez avec précipitation dans deux ministères, ils utiliseront ça pour se jouer de vous. Les pasteurs vous prendront pour du n'importe quoi. Écoutez, laissez-moi vous dire. Écoutez-moi, les gars. Vous avez peur de la police? La police, c'est quoi? Nous, on ne fuit pas la police, non. On a peur. C'est juste une tangente. On coupe juste une tangente, comme si... Exactement, ouais, tu connais le code. On ne fuit pas... Moi? Ou je ne suis plus Obidibo? Le roi du ghetto? Le roi des esprits? Le roi des... Nous sommes ici, mais on entend nos échos à Lagos. C'est quoi votre problème? Je te crois. Vous m'étonnez. Moi, je vous dis que j'ai des amis militaires que, si je les appelle comme ça et que j'explique un peu, croyez-moi, ils vont intervenir. Quoi? Un peu de sérieux. Mais quand même. Bon, si je te crois, à vie. Oh, Toto, écoute, ce jour, moi-même, je serai devant. Je vais parler publiquement et dire... Sortez, enfants de Shadowsi, car le roi de Shadowsi est arrivé. Oh, Toto, le grand seigneur. Le dur, laisse-les venir. Laisse-les venir, on va les affronter. Boum. Et là, ils vont comprendre. Boum. Aucun d'entre eux ne pourra jamais mépriser mon boss et rester le même. Écoute, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Confiance. Toi. Je commence vraiment à perdre le contrôle. Comment faire pour sortir de ce pétrin? Le plus dur, c'est que ces gars, ils croient tellement en moi. Ah, Obidibo. Je crois que je sais ce que je vais faire. Je pense que je sais ce que je vais faire. Les gars, relax. Je te dis, Lodur. En personne. Vous êtes chanceux, les gars. C'est moi qui vous le dis. Toi. Oh, Toto, ta prata. Les gars, vous êtes chanceux. Ouais, ça, c'est sûr. C'est un petit problème. Bébé, je suis vraiment contente de la façon dont tu as géré le cas d'Obodibo. Je veux que cet insensé paie pour le moindre mal qu'il nous a causé. Il doit payer. Il va le payer, bébé. Je vais traiter ce salopard au point où il n'aura plus envie de me voir sur sa route. Oui. Il n'osera plus jamais. Il m'a presque étranglé l'autre jour, juste parce que je lui ai demandé de rester loin de moi. Je t'ai dit que ce gars est un voyou. Tu sais quoi, bébé? Tu sais ce que je ferai à ce filou? Je vais me rassurer qu'il pourrisse en prison. Oui. J'ai même demandé à l'inspecteur de couper sa jambe, toutes ses deux jambes. Hein? Les deux jambes? Ah! Juste à cause de ce petit problème qu'on a eu, hein? Mon grand, aie pitié, non, toi aussi. S'il te plaît, aie pitié. Aie pitié. Je vais me rassurer qu'il pourrisse en prison. Oui. J'ai même dit à l'inspecteur de couper ses jambes. Hey! Qu'est-ce que tu fous ici? Mon grand, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. Pardonnez-moi. Obidibo. Je suis désolé, Ifyuma. Je suis désolé. Obidibo, donc tu peux supplier? Le roi du marché. Le roi des voyous. Donc tu peux humilier ta personne et supplier devant ton semblable? Tu es sûr qu'on ne rêve pas? Vraiment? Approche, tiens. Je dis approche. C'est bon. Vraiment? J'ai cru que tu avais dit que tu n'as peur de personne. Que personne ne peut t'empêcher de prendre les tickets dans le marché. Mon grand, désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est avec ça que je nourris ma mère. Je t'en supplie. Tu sais quoi? Oui, monsieur. Je te pardonne. Merci. Mais tu vois ce derrière? Oui, monsieur. Si je te vois encore t'approcher de ce derrière d'un seul centimètre, je jure l'éternel que je vais te niquer. Maintenant, dégage! 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 Il a dit dégage! Dégage! Allez, dégage! Fous le camp! Mon bébé a dit dégage! Dégage! Idiot! Mon amour, viens là. N'importe quoi. Il ne peut pas gérer ce derrière, bébé. Ce derrière est trop costaud pour ce nègre.
dire, hein. Attends, c'est même quelle histoire, ça, hein. Alors, elle pouvait même avoir un autre garçon dans ce village. À peine arrivée, je ne comprends pas. Elle a déjà plongé dans ses bras. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que tu fais? Maman. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me mets la boucle bien, tu fais quoi? Oh, bidigue, mon amour. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est ton amour? Hein? Tu dois être vraiment très stupide. Toi, tu sens n'importe quoi. Viens. Écoute, assieds-toi. Écoute, je vais te dire ce que tu vas devoir faire, hein? Tu vas aller le voir. Va le voir. Vraiment, sans mensonge, j'ai merdé. L'homme a merdé. Je ne sais même pas ce que cette sale fille fout encore ici. Hein? Hein? Seigneur, j'espère qu'elle ne vient pas me parler. Hey! Effectivement, c'est pour me parler. Je suis fini. Obi, je sais ce que tu ressens. Je sais que ce que tu m'as fait n'était pas intentionnel. Oui, maman m'a tout dit. Elle m'a dit ce que tu traverses. Ce n'est pas la fin du monde. La police ne peut rien te faire. Tu gouvernes le marché. C'est toi le roi du marché. Donc n'aie pas peur. Tu es le roi et moi je suis ta reine. Tu comprends? Notre Dieu dans le ciel est au contrôle, d'accord? Tu as compris? Merci. Il n'y a pas de quoi. Je dois partir maintenant. Je dois partir. Mais je reviens plus tard. Hein? Je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? C'est encore quelle malchance comme ça même, hein? C'est quoi son problème? Cette vie, hein? Boss, tu es trop fort. Ouais, je sais. En fait, tu es le roi de ces marchés et très bientôt on va te proclamer le roi de cette communauté. Ouais, évidemment. Boss, attends. Tu veux nous dire que tu as fumé Mike avec et qu'elle est bénée? C'est un petit problème, ça. Je suis derrière toi plus que jamais, boss. Non, attendez. Tu es trop fort, boss. Tu es trop fort, boss. Attendez, on se calme. Tu es trop fort, boss. C'est comme si on dirait que vous ne me croyez pas. Tu es trop fort, boss. Attendez, je veux savoir, vous ne me croyez pas? Parce que quand je vous dis que... On te croit. Les gars, vous êtes chanceux, hein. Quand ils m'ont vu, ils sont devenus froids comme de la glace. Vous avez de la chance. Tu es fort, boss. Boss, qu'il laisse tomber. J'ai dit qu'il laisse tomber. Tu es trop fort, boss. Boum. Boum. Oh, toto, ta prata. Oh, toto. Boss. Lorsque tu seras nommé le roi de cette communauté, hein, tout ce village va sortir pour te voir. Et moi, je vais danser comme un malade, comme ça. Assieds-toi. Hey. Ne panique jamais quand moi, j'ouvre ma bouche pour parler. Hey, le dur. Moi, ma joie, c'est que... Enfin, nous sommes désormais libres de collecter nos tickets du marché. Oui, non? Notre gros business. Oui, ça très important. Je vous dis que quand je suis arrivé avec mes soldats... Hey,
Tout le monde avait un filon comme Davido. Si vous avez été là, vous auriez vu la couleur des yeux, on dirait les gorilles du président. Ils ont confirmé. J'ai souri et je me suis rapproché quand ils m'ont vu. Ils sont devenus raides, comme des poissons sortis de la chambre froide. Mike a commencé à ramener ses mains. Il a mis ses mains comme ça et dit « Oh, oh, Obi, je suis désolé. Pardonne-moi. » J'ai dit « Pardon ? Tu parles à Obi Dibo ?» Il a dit « Oui, je suis désolé. » Et il a dit que c'est le vin qui a fait qu'il me poursuive ce jour-là, que c'est le vin. Hein ? Elle dit qu'elle t'aime avec son cœur. Mec, tu m'étonnes. Mais je t'aime sans plus passer comme d'habitude. Vous m'étonnez. Bordel, je les ai déshabillés. Quoi ? Tout était dehors, les gens ont compris. Ah. C'est moi ou bien ? Vous blaguez. Bon, oh, t'as plata, le grand tu boss. Tu es simplement le roi de cette communauté. Oui, non. Les gars. Ou deux. Le dur. Parle. Le dur. Hein? Concernant alors Ifeoma. Toi, t'es toujours hors sujet. On ne parle pas d'Ifeoma ici. Ifeoma est un vieux dossier. Je l'ai utilisé et j'ai laissé à ce gars, Mike. J'ai utilisé et j'ai laissé. Ah, le dur. Le dur, toi aussi. Avec tout l'argent que tu as mis sur le dossier là. Et tout l'argent que tu investis là, pour rien. Laisse tomber, oublie ça. Je sais ce que je fais. Mais cette fille-là... Je sais ce que je fais. Oubliez elle ça. Elle a trop mangé l'argent de ticket. Toc, 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 toc. Il y a quelqu'un, maman? Obu? Qui est là? Qui est là? C'est moi. Oh, mon amour. Écoute, c'est la dernière fois, c'est la dernière. Laisse-moi te dire. Écoute, hein, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi, hein. Je dis, hein, c'est même quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Laisse-moi te dire, je te hais. Au cas où tu ne l'aurais pas constaté, je te hais. Parce que tu pues, tu entends? Mais, Obidigo, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça, non? Mais c'est toi qui m'as dit que tu m'aimais, non? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Et je ne t'ai d'ailleurs jamais aimé. Tu sens mauvais. Je ne pourrai jamais t'aimer. Dégage d'ici. Va-t'en de chez moi. Regardez-moi ça. Ramène ça. Que je te vois encore ici. Même le jersey vient me dire qu'elle m'aime. Hey. Oh, Bidibo. Malchance. Que je t'attrape encore ici. Tu vas voir. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens de chez toi. C'est ton Obidigo, ton fils. Il m'a insulté. Ah. Il m'a donné tout genre de nom. Ah. Il m'a même chassé de la maison. Il a dit que je ne mette plus mon pied là-bas. Quoi? Oui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est bon. Ok, arrête de pleurer. Viens, retournons là-bas. Non. Allons lui demander pourquoi il a fait ça. Non, je ne rentrerai plus dans cette maison. Non. Ça va, non, calme-toi. Non, allons-y. Non, je n'irai plus là-bas. Ozioma. Hey. Ok.